Alors John Dragani, bravo, une belle victoire contre Stan Lyonnais. Vos impressions après ce match? Écoutez, on savait que ce serait un match compliqué et difficile. On sait que Nyon est une équipe assez agressive qui va chercher vous sur le terrain. Donc on voulait faire une entame de match très concentrée, essayer de faire tourner le ballon. Et puis on fait un début catastrophique. Il a fallu revenir dans la partie. J'ai demandé aux joueurs de rester calmes, serein, de ne pas s'énerver tout au long du match. Et puis ben, je pense qu'on a réussi à obtenir cette qualification sur la longueur et puis d'une façon méritée. Mais je tiens à féliciter l'équipe de Nyon qui fait un excellent match et surtout qui nous a mis en difficulté en fin de match et qui nous a forcé à reculer. Vous avez un petit peu tremblé en fin de match. C'est un tout petit peu la mauvaise habitude du LS cette saison. Oui, c'est vrai que là, on se fait égaliser à Kriens dans les dernières secondes. On se fait égaliser contre le Carnot en fin de match aussi. Et puis aujourd'hui, on a un petit peu frisé le code sur une ou deux actions. Mais je pense que sur l'ensemble du match, la qualif est justifiée. Par rapport à la saison du LS, vous êtes pour l'instant content? Écoutez, je crois que pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On est quatrième ex aequo avec Vaduz. On a un match importantissime le week-end prochain contre Winterthur, donc on est dans le coup. En coupe, eh ben on s'est qualifié aujourd'hui, donc continuons comme ça. On a vraiment l'impression que cette année il y a un bon groupe, une bonne ambiance et puis qu'il y a peut-être un petit coup à jouer, non? Ah, écoutez, effectivement, je crois que l'ambiance dans le vestiaire est bonne, l'ambiance à l'entraînement aussi. Les garçons travaillent sérieusement, donc c'est vrai que si maintenant on arrive encore à provoquer un petit peu cette réussite qui parfois fait la différence, bah, ce sera de bon augure. Et puis sinon, on a entendu une petite rumeur qu'il y aura un petit échange entre Echalon et Lausanne Sport entre Greg Mathé et Anthony Favre. Alors, là, nos comments, là, je suis tenu au secret professionnel, je suis désolé. D'accord, merci beaucoup. Merci.